absolument pas doué. Waouh. Voilà, je t'assure, sauf que de mouiller, ça change tout. T'as mal? Non. La preuve, tu es une tête comme ça. Ah, parce que... Allez, tu... Hello everybody, I'm back. Bon, bonjour tout le monde. Je suis avec Hanouna. Vous vous souvenez d'elle? Est-ce que vous vous souvenez de cette folle? Elle est là. Et bah aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Je voulais en profiter qu'elle soit là avec moi à Paris. À Paris, yes. Pour faire une démo sur le Dyson, sur son type de cheveux. Donc un cheveu très frisé. Avec le Dyson. J'ai dit quoi? Sur le Dyson. Bon, c'est bon, t'es prof de chip de PS. Pas prof, moi. Tu es prof, ça? Non. Ça y est, t'es prof, elle me corrige à chaque fois, j'ai vu dans l'autre vidéo. Alors, les amis, on répète encore une troisième fois. Aujourd'hui, on va tester le Dyson Air Wrap sur son type de cheveux. Donc, c'est un cheveu, il est comment ton cheveu? Frisé. Super. À part ça? Sec. Et à part ça? Cassé. Tu peux donner des noir. Choses. Tu peux donner des choses. Des alors j'ai un cheveu d'origine. D'origine algérienne. Je suis de retour, je suis partie me changer parce que c'était une catastrophe. On la commence cette revue ou comment ça se passe le temps que tes cheveux ont déjà séché et monté jusqu'au filsma? Est-ce que vous vous souvenez d'elle? Elle avait fait une vidéo sur le lissage tanin. Comment fait il y a combien de temps, Anna? 6 mois. 6 ou 7 mois. 7 mois. 6 ou 7 mois. Donc l'effet, bien sûr, s'est estompé. Tiens, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient voir tes cheveux en mode bouclé, comment on appelle ça? Après ouais, le lissage, comment ils étaient tes cheveux? Après le lissage? Avec en bouclé. Mais j'étais normaux. Discipliné. Super, ils étaient normaux. Donc c'est pas la tête en fait. Comme ça, bah, hop hop hop, je te l'ai déjà dit. Bon, rien, vaut mieux, vaut mieux du visuel. Elle a retrouvé ses boucles, d'accord? Des boucles plus belles, plus fraîches qu'avant. C'était quand même un paquet quand même de frisettes qui était dur à discipliner. Là, ça fait quand même 6 ou 7 mois, donc elle a toutes ses racines qui ont poussé. Donc c'est des nouvelles racines, hein, c'est des cheveux nouveaux. Donc voilà, pour celles qui voulaient... Eh bien, je suis sûre que c'est attaché en dessous en plus. Ben voilà, c'est reparti. Bon allez, ça passe. Trêve de bavardage, on va commencer sur elle. Moi je vais passer derrière la caméra, je vais la filmer en train de faire. C'est la première fois que j'utilise, donc ça sera une première impression. En fait ce qui s'est passé c'est que tout à l'heure elle avait essayé. Parce qu'elle a vu, elle s'est dit, ah non c'est moi qui t'a dit essaye. Ouais. C'est moi qui lui ai dit essaye parce qu'elle était en train de se lisser les cheveux, j'ai dit tiens. Essaye le nouveau Dyson et on va comme ça, on va essayer sur tes cheveux. Après j'ai dit bah tiens, on va quand même... je vais te filmer en train de le faire, comme ça on verra. Mm-hmm. Puisqu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé de tester avec l'appareil lissant, le côté lisse. Donc tout à l'heure elle a essayé sur cheveux secs et c'était pas concluant. Donc on s'est dit on va faire les choses bien comme il faut, donc sur cheveux humides. Donc là ils ont commencé déjà à sécher. Et moi je vais faire aussi une vidéo sur mon type de cheveux. Donc comme vous voyez c'est un cheveu aussi... assez... Il est frisé, mais j'ai fait un lissage il n'y a pas très longtemps, donc là il est en train de gonfler. Mais dès que j'apporte de la chaleur, il se discipline très rapidement. Et je me demande si sur mon type de cheveux qui a subi un lissage récemment, c'est peut-être pour ça que le Dyson a bien fonctionné, vu que ça agit bien avec la chaleur. Et donc toi, comme ça fait très longtemps que tu as fait un Botox, ça fait pas longtemps, mais c'était un peu de la merde, c'est ça? Je dirais pas de la merde, mais c'est pas le même résultat qu'avec le Tani. Non, Tani. Avec le Tani. Ok, donc sur notre type de cheveux, on va tester tout ça. On va essayer de tester ça. On va essayer de tester la brosse brushing. Et je vais essayer de l'aider, et parce que elle, c'est une brêle, je vais pas vous mentir. Ah oui, non, il y a... Moi je suis cobaye. Il faut donner un nom aux choses, tu ouais, es pas terrible, elle a pas de patience, ça la saoule. C'est pour ça qu'elle aime bien lisser ses cheveux, brûler ses cheveux. Après elle dit, Amel, mes cheveux sont tout secs, ils cassent, Bah oui. Donc aussi vous allez pouvoir voir la différence entre une beginner,
beginner, comment on dit en anglais? Beginner. Une débutante et une professionnelle, donc qui a l'habitude de toucher les cheveux, les ustensiles, etc. Oui, excuse-moi. À toi, un chat, un chat. Allez, c'est parti! Coucou Anna. Hola. Allez, c'est parti? Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on teste là pour le moment? Bah, la brosse. Laquelle? Allez, vite, celle-là. Anna. Celle-là. Bravo, ça commence. Ça commence. Ouais, donc là on voit bien ses cheveux, hein. Voilà. D'accord. Voilà. Alors Anna, donc on se retrouve. Donc tu as testé quoi? Donc la brosse? Oui. Ok, donc je te laisse faire en tant que novice, d'accord? Ah c'est bien, t'as bien sectionné une bonne mèche là. Et ta tête là-bas. Allez, voyons voir. J'essaye de faire ça bien, comme si t'avais vraiment envie que ça marche. On peut voir à quoi ça ressemble pour l'instant? Ouais. Alors, montre-moi un peu. Ouais, alors c'est encore un peu frisottant en racine, mais on peut dire que peut-être avec un peu d'entraînement, parce que là en vidéo ça a l'air pas mal, hein. Qu'est-ce que tu penses de tes cheveux? Ben, je pense qu'ils ont été séchés. C'est moins agressif que le lisseur en fait. Oui, ça c'est sûr, mais ça, j'ai envie de dire, pour l'instant, on s'en fout. Ben, quel résultat? Ils ont été séchés et lisses. Ils sont pas encore assez raides. Ouais. Ils sont doux. Ils sont doux. Ouais. D'accord. Essaye de faire encore une. Des mèches. Ouais. Ah, tu prends que ça? Ouais. Bon, ben, ça va être facile là. Allez, c'est bon, on va faire pas non plus 3 heures sur une mèche, sinon ça sera un peu de la triche. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'aime bien le résultat, mes cheveux sont lisses, ils ont été... Il n'y a plus de frisottis en racine, okay. En tout cas beaucoup moins. Et ça garde du volume, c'est pas du tout le même résultat qu'avec un lisseur. Ouais, c'est doux, mais bon voilà, voilà, on peut mieux faire quoi. C'est pas lisse comme un lisseur, mais c'est sympathique. Voilà. On essaye autre chose. Alors petit boucleur. Voilà, alors sur ça. La même mèche, hein. Ah ben non. Donc moi je sais que sur cheveux secs ça marche pas aussi bien que sur cheveux mouillés. Attache tes cheveux et tu fais. Par contre ils sont un peu secs tes cheveux. On va les mouiller un petit peu. C'est bon. Ouais. Malaxe un peu. Parce que je sais vraiment éperdument que à sec c'est vraiment. Brosse-les, s'il te plaît, brosse-les. Fais les choses bien. Alors, hop. Alors je vais la filmer pour sa première fois. Voilà. En fait, moi, j'ai pris le coup de main facilement parce que pour moi, c'est... j'ai vu tellement... Non, t'as pas pris le bon... Change l'accessoire. Change le bout des flèches. Il semble que tes cheveux sont pas assez... Ah bah là, ça a pris direct. Allez, trop grand, ça mèche. Ben, vas-y, allez, tire un peu. C'est quoi? Que ça soit détendu. Ouais voilà, moi j'ai le coup de main rapidement, mais je pense que pour les débutants ça doit pas être aussi facile au début. Mais je pense qu'il faut bien tirer pour que ce soit. Mets un coup de. Mets un coup de froid. Voilà, on fait voir. Franchement, la boucle est jolie ici. Par contre, voilà, les racines... Attends, penche un peu la tête vers moi. Les racines, ça va... Si. Ça va pas trop. Par contre, regarde, touche et dis-moi ce que t'en penses. Ah, franchement, le résultat, il est beaucoup... Enfin, il est meilleur. Hein. Mes cheveux sont brillants et ils sont lisses et bouclés en même temps. Franchement, et la douceur? Bah, ils ont l'air doux, déjà. Je t'ai dit, ils sont brillants, donc ça réfléchit. Ah, ça c'est joli. Laisse-la refroidir tout seul, tranquillement. Et fais-en une autre un peu mieux, s'il te plaît. Tu le brosses, s'il te plaît. C'est important. J'aime pas faire ça. Ouais. Hop, hop, hop.
Mais c'est pour le bien de l'humanité. Ah, c'est trop bien. Allez. Ah, j'ai mal dit. Ah bah tu vois, ça prend direct. Il faut que tu tires un peu sur les cheveux. Et aussi, il faut que tu mettes un coup de froid. Je vais pas expliquer comment faire. Ah. Non, il faut que tu restes appuyé dessus. Il faut que tu restes appuyé. Bon. C'est bon. Mais oui. J'en peux plus. Je dirais que je vais tourner un film sur... Est-ce que t'aimes bien les cheveux? On te demande pas tes commentaires inappropriés. Bah ouais. Bah franchement, ça te va super. Ce genre de boucle un peu... Je pense que je vais la coiffer en entier. Allez, tu me fais d'autres choses, s'il te plaît? L'accessoire brushing bizarre, là. Brushing en gonflant. Sèche-main, mini sèche-main. En tout cas, pour l'instant, voilà, la boucle, elle est belle. Hein. Je choisis. Allez, fais-nous un bon brushing. Ah, c'est froid. Le résultat, qu'est-ce que t'en penses? Ben oui, ça va, c'est bien, mais il faut un meilleur coup de main. Moi, comme je t'ai dit, j'ai pas de la patience, donc j'ai pas vite. Mais tu sais, t'as pas de la patience, mais tu as bien fait, t'as tiré dans plusieurs sens. Ah, mais t'as pas trop travaillé les pointes, mais ouais, c'est un peu... Ça va, c'est un bon résultat, ça a séché super vite, en fait, c'est un moyen de pas les brûler. Enfin, la chaleur, elle est pas directement appliquée sur les cheveux. Je pense qu'on a vu déjà un peu de tout, donc tu vas faire tout lisser tes cheveux. Lisse au moins la moitié, cette moitié-là. Ouais. Avec ça? Oui. Et puis tu fais comme dans la présentation, genre tu te brosses les cheveux, en même temps ça les sèche et ça les brushing. Ouais, on y croit. Hein. Non, non, essaie de faire toute la tête directement. Allez, hop, peut-être que ça marche. Hein. Je pense qu'il faut que tu sois un peu plus lente sur les... Quand même, ne crois pas que t'as les cheveux faciles. Hein. Ça mène d'abord du bronze. Ouais, bon. Mais tu sais que ça a l'air de se lisser pas mal, hein? Ouais. Donc tu me disais que comme ça, c'est pas chaud. Non, pas du tout. Ouais, c'est bien. Derrière un petit peu, s'il te plaît. Franchement, c'est un bon moyen de sécher les cheveux. Eh ben, franchement, c'est rapide. Hein. Bon, les pointes, elles sont pas jolies, jolies, jolies. Pas se mentir. Eh, hey, mais je suis choquée. C'est pas si... Non mais c'est pas si catastrophe, moi je pensais que ça allait être gonflé tout en l'air. Bon, je pense que tu dois avoir un petit reste de lissage ici. Ah non, c'est toujours bien. T'aimes bien? Non, grave. Bah je vois ça. Alors maintenant, s'il te plaît, parce que là on a exagéré, on a pris la moitié de la tête. Coupe la moitié en deux là, parce qu'à mon avis, à l'intérieur, il doit y avoir plein de belles frisottages. Fais voir un peu, parce que moi je galère un peu avec cette caméra, la manière. On peut pas dire que ce soit lisse de l'extrême, mais c'est sympa. Et il y a une petite brillance quand même. Hein. On voit une certaine brillance. Quoi? On peut poser la caméra. Avance vers le miroir, s'il te plaît. Non, mais mets pas droite. Tu peux arrêter, s'il te plaît? Franchement,
si vous n'avez pas les cheveux trop frisés ou vous n'êtes pas trop exigeante niveau brushing, c'est pas mal. Par contre, il faudra faire plusieurs sections parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des frisottis. Puis ça, c'est logique. Hein. Mais à part ça, Anna, franchement, c'est pas mal. Hein. Mmh. Tac. Bon, là en dessous, tu l'as un peu mieux fait. Ouais. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Niveau pointe, c'est pas terrible. Mais il faut que je découpe. Hein. Oui, alors franchement, elle a des pointes. Depuis très longtemps, elle a les pointes ici très abîmées, au moins tout ça. Donc déjà, la brosse, elle a du mal à passer. Mais et on n'est pas Walking Dead ici. Voilà. Ça ne ressuscite pas. Ok, c'est bon. Donc sinon, c'est à part mort, ça, je trouve que c'est sympa. Quand c'est mort, tu te fous de moi? Voilà, ça a l'air sympa. Moi, ce que j'aimerais, maintenant, si tu arrives de ce côté-là, tu ne fais que des boucles. D'accord? Allez, voilà, si c'est. Voilà. Fais un jet d'air froid, monte. Et après, tu relâches et c'est ça. Voilà. Wouh! Fais voir la boucle. Très belle. Sympa. Tu la laisses et tu fais les autres, s'il te plaît. Ouais. Ah! Attends. Entre nous, sympa, mais c'est toujours le problème de racine. Hein, mais là, t'as vraiment pris gros. Hein. Ah ouais. Sympa, allez, ça fera dire. Oh non, mais la racine c'est pareil. Oui, mais c'est pas grave, continue. Ça fait mix. Oui, c'est bouclé. Pas crisé. Je pense que si en dessous c'est pas très bien fait en racine et qu'au-dessus tu fais les choses bien, ça peut passer. Ça passe. Cache misère. Oui, cache misère. Louis XIV. Waouh! Wow. Voilà, je t'assure, sur cheveux mouillés, ça change tout. T'as mal? Non. Bah, pourquoi tu fais une tête comme ça? Ah, parce que. Allez, tiens. <Wow. rire> Bon, désolé, mais. Elle est vraiment pas tout. C'est pas terrible, tu l'as mal fait. Bon, c'est bon. En même temps, tu mets la mèche après dans un sens qui est plus le. Tu l'as tiré comme ça, il faut que tu la mettes comme ça après. Hein. Non, c'est pas, non, c'est pas le mouvement des cheveux, c'est comme ça. Alors, niveau boucle, comme je l'ai dit, on voit les frisettes en haut, mais bon, c'est un petit peu mal fait. On est d'accord, Anna? Oui. Par contre, les boucles d'en bas, moi, je les trouve bouncy, bien bouclées. Donc, je suis sûre et certaine, pour les filles qui n'ont pas trop cet effet curly, trop, ça doit être magnifique sur elles. Et côté lisse, s'il te plaît. Sorry, excuse me. What happened? Attends, what happened to this là? Regarde-moi. What happened to this? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est la merde qui est en bas quoi. Bah ouais, faut couper tout ça en fait. Ouais. Mais sinon, à part ça, allez, ton avis à toi en tant que débutante, face à moi s'il te plaît. Bah je trouve que comme. Bah, je vais me répéter encore une fois, ça permet de sécher les cheveux tout en les lissant en fait, ça fait un pré-travail. Un pré-travail seulement? Bah oui, parce qu'après moi je suis obligée de passer au lisseur en fait, je peux pas rester que sur ça. Ça aussi vraiment je coupe mes cheveux et que je prends plus de temps sur les mèches. Mmh, mais si tu prends plus de temps d'un côté, c'est comme si tu faisais le lissage, le lisseur. Bah oui je pense, mais c'est pas aussi précis en tout cas pour moi. Ouais, c'est pas aussi, tu veux dire lissant. Lissant, voilà, ça me permettrait de passer moins de temps avec le lisseur sur mes cheveux. Côté boucle, qu'est-ce que t'en penses? Passe tes doigts dedans, essaye de séparer un peu. Bah côté boucle, moi je suis pas très boucle en fait. Je suis plus frisette.
mais... Alors, ce que en j'aimerais, fait, moi, c'est... C'est un peu contradictoire et paradoxal. Alors, entre la racine, tu vois, frisée et... Je me permets de faire un petit passage, parce que j'ai envie de tester sur tes cheveux en condition normale. C'est vraiment frisé, et en bas, c'est bien fait. Donc, moi, je me permets de faire moi-même, voilà, avec ma façon à moi de faire. Je pense que je vais retester. Alors, bien sûr, chez vous, vous mettez pas de l'eau comme ça. Hein. Là, on a fait ça pour la vidéo. Je suis une catastrophe. Regarde, là, c'est bien mouillé. Voilà, là, c'est assez mouillé, je pense. Au fait, j'ai oublié de te poser la question. T'as mis quoi sur tes cheveux avant? Crème, sérum, huile, bébé crème. Bébé hair. T'as mis ma bébé crème? Ouais. Bon, elle a juste mis ça sur ses cheveux. T'as mis quoi d'autre? Rien. Bon, voilà. Donc, c'est une des cheveux. Donc, tu t'es servi dans mes affaires. Bah non, j'en ai un. Allez, c'est parti. Voyons voir si on voit le petit truc. Et au fait, j'ai oublié de vous dire, ah oui, mais toi, tu l'as même pas mis à fond là. Enfin, elle a fait n'importe quoi là, tout est réglé. J'ai mis à fond, là, j'ai mis à fond dans la chaleur, j'ai mis à fond dans la ventilation et on y va. Alors, je recommence si on en a vu. Voilà, moi, je tends, je tire bien. Je tiens avec le côté. C'est chaud là? Non. Ça va? Ouais. Voilà, je chauffe un peu. Je crois que j'écarte un peu les cheveux, j'ai pris une bonne... C'est chaud, je refroidis. Et je relâche. Bon, je l'ai pas mis dans le bon sens, mais j'ai pris une trop grosse mèche, je pense. En tout cas, elle est très jolie. Ouais, non, elle est encore un peu humide. Non, elle est pas si jolie que ça, mais c'est pas mal. On va recommencer. Un peu froid, pardon. Et j'éteins. Ah, la boucle est vraiment belle. Il faut la laisser refroidir, je pense. Vraiment, il faut la laisser refroidir. La racine, on va la montrer en caméra. Bah, elle a l'air déjà plus jolie que ce que tu as fait toi. Hein. C'est normal. Et ouais, je pense qu'il faudrait peut-être pas prendre des mèches aussi grosses pour pouvoir bien atteindre la racine. Et sinon, la boucle ici, elle est belle. Mais bon, il faut quand même laisser refroidir naturellement. Et je tiens à préciser qu'elle a mis une bébé crème, donc c'est bien, c'est hydratant. Mais je pense qu'avec un peu d'huile ou un peu de sérum ou quelque chose, ça sera encore mieux. Quand je voyais les vidéos, j'avais l'impression que ça avait l'air froid. Mais pas du tout. C'est quand même pas mal chaud. Hein. Donc le fait de dire que ça n'abîme pas, je sais pas. C'est chaud, c'est pas la folie. C'est-à-dire que je peux toucher, mais c'est pas comme un lisseur, ça c'est sûr. Mais c'est quand même chaud. Donc c'est pas mal. Moi je vais faire une vidéo, ça sera sur une autre vidéo qui apparaîtra après. Je vais le faire toute seule sur mon type de cheveux. Donc c'est un cheveu, regardez là il a séché. On voit bien hein. C'est un cheveu qui, maintenant on peut appeler ça comment? Water wave. C'est-à-dire c'est des boucles, c'est des frisettes qui sont un peu détendues mais qui se lissent très facilement. On va essayer le Dyson sur ce type de cheveux. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait d'accord. Mais t'es jolie ma petite sœur. Merci. Ça te va bien. Okay. Maintenant elles sont pas très très belles. Mais voilà quoi. Ah, ça va pour le genre de fille comme toi. Un peu sauvageonne. Voilà machin. Sauvage. Oui. Tu voulais rajouter quelque chose aussi Anna par rapport à l'effet? Par rapport au rapport qualité-prix. Ouais, je pense qu'à ce prix là on pourrait avoir un résultat beaucoup plus lisse et facile à atteindre. C'est à dire les cheveux lisses et hop. De coup, on a des cheveux lisses et voilà, ouais. J'ai rien d'autre à ajouter. Enfin, ouais. Le résultat n'est pas à la hauteur de son prix. D'accord, ok, c'est noté. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'on dit à notre audience internationale? Pouce bleu. Et puis, abonne-toi. Qu'est-ce que ça veut dire pouce bleu? Les gens ne savent pas. J'aime. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire j'aime? Tu aimes quoi? Ben, moi. Oh là là, n'hésitez pas à laisser un like s'il vous plaît, ça fait plaisir. Commentaire. Et puis, de vous abonner. Pour les prochaines vidéos. C'est intéressant. Et quoi d'autre? Bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine. À bientôt. Bye bye. Bon, make-up. Bon.
arrête Anouda. Bon, encore un nain, pas Anouda. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a avec Anouda? Bah voilà, maintenant je pleure. Bon, on commence cette vidéo ou pas? Vas-y, en plus. Bon, on rentre le ventre, on rentre tout. Bon, on commence cette vidéo. Bon, maintenant voilà, ben voilà, je pleure. Ah, oh non. 3 heures de maquillage. Je confirme que la fin. 2 secondes. Oh non. Change-toi. Oh non. Bon, voilà pourquoi je me maquille pas. Elle me dit, vas-y, mets du maquillage, gentil. Bon, moi, quand je vois, il n'y a rien, tu vois. Mais ça m'a jamais fait ça de ma vie. Détache pour une vidéo internationalement vue. Bon, bah, je vais. Vas-y, je vais devoir recommencer. J'étais bien. Bon, je m'en fous. On va faire une vidéo, tant pis, comme ça. Naturel. Première sensation. Naturel, des bois sont pas là. Coton-tige. Mais ça, c'est la honte. C'est la honte. C'est la honte. Voilà ce qu'on me fait faire là. Ouais, c'est ça là. Eh, c'est parti hein. Mais voilà. Voilà. Maquillage, tu vois. On est pro ou on ne l'est pas? Non, mais je peux pas rester comme ça. Et si? Non, franchement. Oui. Écoutez les amis, c'est pas grave, on est là pour regarder les cheveux aujourd'hui. Ouais. Là c'est quoi, ça fait déjà 3 minutes, c'est que de la merde. Aujourd'hui c'est une vidéo pour tester le Dyson. Ça va, ça passe ou pas là? Ouais. Allez, on refait une retouche. Bon, vous m'excusez pour la merdouille là, on fait avec ce qu'on a. Tu peux donner des noir. Choses. Tu peux donner des choses stress. Alors j'ai un cheveu d'origine. D'origine algérienne. Bon. Arrête de faire pleurer. C'est pour voir la puissance que tu. Bon. Je vais chercher un sofa là, j'en peux plus. Non mais Hanen, purée. Et fais pas la pire. Tu racontes quoi là? Non, j'ai bien fait. Purée. Tu montes quoi alors, Hanel? T'es sérieux? Elle met un truc noir. Tu l'as acheté à Lidl ton t-shirt? J'ai dit Lidl, je voulais dire un Rimac. Oh. Ouais. Putain, je vais devoir couper toute la vidéo là, je crois bien. Anna! Arrête! Can we just do this video? Allez, c'est bon. Non, donne-moi le sopalin, le chaud lapin. Anna, arrête de me faire rire. Hein.